L'éducatif Crawl Grand Chien est un éducatif qui va te permettre d'améliorer ta prise d'eau et donc ton efficacité motrice. Pour réaliser cet exercice, tu vas lever la tête hors de l'eau, puis effectuer un mouvement d'avant en arrière, comme tu peux le voir sur la vidéo hors de l'eau, la vidéo qui est au-dessus. Donc avec ton bras droit, tu prends de l'eau, tu la ramènes vers la cuisse. Une fois que tu as fini, tu ramènes ton bras sous l'eau, près du corps, le plus proche de ton corps possible, encore plus proche que ça, et tu le ramènes devant. Une fois que tu es arrivé devant, tu démarres avec le bras gauche, tu ramènes vers l'arrière jusqu'à la cuisse, puis tu reviens avec le bras gauche sous l'eau, près du corps. On va regarder maintenant la vidéo sous-marine, donc la vidéo en bas à gauche, où l'on voit ici, bras droit jusqu'à la cuisse. Vous pourrez attendre un petit peu plus longtemps ou pousser un peu plus fort vers l'arrière, puis retour du bras le long du corps. Là on peut voir qu'ici on pourrait avoir un espace un peu moins important entre la main et la poitrine. Plus la main est collée vers le corps, plus c'est facile de revenir et surtout moins on oppose de résistance à l'avancement. Aider à la réalisation de cet exercice, si tu as un peu de mal, tu peux éventuellement rentrer la tête dans l'eau, ce qui te permettra d'avoir moins de résistance et du coup d'avancer plus vite et donc d'avoir plus d'efficacité avec le bras. Tu pourrais également aussi prendre des palmes, ce qui te permettra d'avoir un peu plus de vitesse et donc d'avoir plus d'aisance pour réaliser cet exercice. Sur la vidéo en bas à droite, on peut regarder et voir que le coude ici a une position très cassée. Je ne te le recommande pas, je te recommande plutôt d'avoir une position plus linéaire, plus vers le bas de la piscine, puis ensuite plus d'avant en arrière. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Xavier Hidou, entraîneur national de natation spécialisé dans la nage en eau libre. Cette série de vidéos sur les éducatifs sert à illustrer l'entraînement proposé par ton national semi-coach. Pour y avoir accès et atteindre facilement tes objectifs, il te suffit de cliquer sur les liens dans la description. Tu peux également suivre mon quotidien et celui de la Fédération française de natation sur les réseaux sociaux.